de Pacifique. On va pas jouer le conseil de mon personnel aujourd'hui. Le ressentiment, de rejeter les projets très vite et de rejeter les projets. Le problème, c'est la lenteur. Et le problème, c'est le manque d'énergie. Le problème, c'est que ce n'est pas au manque d'énergie que vous avez réussi votre vie. C'est tout simplement en manquant de l'énergie. En tout simplement, en ressentant ce que vous ressentez, tout simplement pour ressentir ce que vous voulez. Ce n'est pas en restant en étant dans. Tout simplement, on peut pousser les ressentis. Ce qui est important, simplement, c'est enlever votre ressenti. Ce qui est très important, c'est simplement essayer d'apprendre sur votre connaissance que vous pouvez avoir déjà. Pour les connaissances. Tout simplement, ce qu'il faut aussi, c'est savoir connaître, reconnaître vous, savoir des bons gens, parce qu'il faut savoir lâcher les gens, savoir avoir pas l'esprit et la mentalité de quelqu'un qui est lâche, qui se laisse faire. Il faut se laisser faire à ce moment-là, ça nuance. Parce que trop se laisser faire peut être un problème problématique qui peut. Il faut tout simplement réagir. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est que très vite, ils annulent le projet. Le projet, ce n'est pas juste le visuel. C'est aussi pas les actions qu'on peut faire et pas les autres qu'on peut faire. Si on n'a pas d'énergie, ça peut probablement lier beaucoup de choses. Le manque d'énergie peut lier à beaucoup de choses. Dormir très tôt, ça peut lier à beaucoup de choses. Ça peut lier à des causes. Ça peut lier à beaucoup de causes mentales ou des causes simplement psychologiques et énergiques. Ce qu'il faut, c'est simplement enlever ces causes-là. Il faut être proactif. Il faut proactiver. Il faut arrêter de ne pas agir, à pas faire ce qu'on voudrait. Il faut être proactif, il faut réagir. Il faut être proactif, réagir en action. Il faut être action dans la chose. Dès que vous êtes proactif, faites-vous une liste de choses que vous allez faire et jeter. Dites, si à jeter, jeter, mais j'étais apprécié, mais j'étais jeter la poubelle. Plus vous jetez ça, faire, plus vous continuez à changer, plus vous essayez de développer des actions comme chez votre vie, votre routine, votre quotidien, votre manière d'agir, votre manière de manger. Ce qu'il faut, c'est la proactivité. Il faut être productif. Productif, intuitif, intéressant, pertinent et de manière d'être. Pour être quelqu'un de marquant, il faut tout simplement avoir une vie de marquant. Et pour être marquant, il faut tout simplement se connaître soi, avoir confiance en soi, connaître ses cycles, ses cycles personnels. Du corps, c'est du corps. Il faut connaître comment on est en intimité, il faut connaître soi-même. Parce qu'en se connaissant soi-même, on ne peut pas se tricher, on ne peut pas se mentir à soi-même. Parce qu'on est très bien pour se mentir. Le problème, c'est se mentir, c'est faire se tricher, dénier ce qu'on a. C'est un problème qui peut poser problème dans notre vie. Et moi, c'est que pour aller ça, c'est qu'il faut essayer d'expérimenter, connaître le corps, expérimenter des choses intimes, expérimenter des choses physiques, expérimenter des choses au quotidien, expérimenter des choses en disant, je vais aller aujourd'hui, j'ai décidé d'expérimenter des nouveaux plats, des nouveaux aliments. Pourquoi les aliments? Expérimenter, c'est pas juste physique, c'est aussi alimentaire, c'est aussi corporel, c'est aussi mental. Mentalité.